Général, je suis sur Alderande. Avez-vous des nouvelles de Maître Orgus ? Négatif. Vu le désordre qui règne ici, c'est une chance que les messages passent encore. Alderande est une zone de guerre. Les nobles s'entretuent pour le pouvoir, et pour déterminer si la planète soutient la République ou l'Empire. Votre projet d'arme vise à faire pencher Alderande pour la République. Nous avons développé la marque de la mort pour régler ce conflit avec une précision chirurgicale. Une machine extraordinaire. Elle marque les cibles avec une signature microscopique, indétectable. Elle peut traquer sa cible n'importe où sur la planète. Communiquez les coordonnées de la cible à ce puissant laser, et il vous l'exterminera d'un continent à l'autre. Depuis quand la République cautionne-t-elle les assassinats ? Pour sauver 1 milliard de vies en tuant un seul homme, je n'hésiterai pas à presser la gâchette. La marque de la mort a un inconvénient majeur. La portée du système de ciblage est extrêmement limitée, 20 mètres à peu près. Cependant, une fois qu'une cible est marquée, le laser peut l'atteindre de n'importe où. J'ai peur que nos efforts pour protéger l'arme n'aient servi à rien. La dernière transmission de Maître Orgus provient du palais des Organa. Puis, silence radio. Vu ce qui est arrivé à Maître Kiwix, j'ai bien peur que Maître Orgus soit en danger. C'est le comte Hald qui a vu Maître Orgus en dernier. Il nous aide à financer le projet Marque de la Mort. J'ai tenté d'informer le comte de votre arrivée, mais on dirait que les communications ont été brouillées. Les rapports signalent la destruction de plusieurs holo-relais, un coup classique des impériaux. La maison Organa ne peut pas monopoliser ses troupes pour établir des holo-relais. Vous pourriez nous aider ? Trouver Maître Orgus et la marque de la mort sont mes deux priorités, mais je verrai ce que je peux faire. Je vous transmets les coordonnées des holo-relais. Si vous les remettez en état, la maison Organa sera mieux défendue. Vous trouverez le comte Hald à l'ambassade, près du palais des Organa. Bonne chance. Varsutra, terminé. On forme une bonne équipe, T7. J'ai le sentiment que des moments difficiles nous attendent. Content que tu sois prêt à les affronter. Tu as quelque chose à me dire ? Quel âge tu as ? Je commence à comprendre pourquoi tu es si efficace, T7. C'est toujours difficile de perdre quelqu'un. Si tu cherches un héros, inutile d'aller plus loin. Le mal n'a aucune chance contre nous deux. Qui est Chafou ? J'espère qu'il a passé pas mal de temps en prison. Est-ce que Maître Zalo l'a menacé ou convaincu par la force ?
Il a sûrement décidé de faire profil bas après que Maître Zalo a été tué. De sortir du jeu avant que sa couverture ne tombe. Chafou est cet esclavagiste rhodien dont tu m'as parlé. Celui qui avait changé de voix et travaillé pour Maître Zalo. Vas-y, raconte-moi tout. Est-ce que les découvertes de Chafou confirment les craintes de Maître Zalo ? Ce rapport pourrait être capital pour l'effort de guerre de la République. Préviens-moi dès que tu l'auras reconstitué.